Et bonjour à tous, ici Victor Hugo, 1860. Alors, j'ai bien reçu mon Titanfall, j'ai failli ne pas le commander, je l'avais décommandé sur Amazon, et puis après tout, bon, en regardant les bêtas et les pré-visualisations sur les grandes chaînes YouTube, je me suis dit, bon, je vais pas quand même passer à côté de ce fun, alors je l'ai acheté sur Xbox One. Parce que sur mon PC, j'ai des problèmes pour capturer. Je dois avoir des conflits, ce qui fait que bon, je n'arrive pas à capturer les jeux PC, les gameplay PC. Donc, me voilà donc sur la One, où je viens de faire, vous allez voir tout de suite, deux, trois petites parties. J'en ai pris un extrait. Bon, toujours Nobby, toujours le dernier de la liste. Mais bon, il y a du fun. Alors, l'ambiance me rappelle vaguement Battlefield 2 sur PC. Les textures, les couleurs ocre, marron, rouge, rouge sombre. Ils font aussi des effets de brume, de poussière, mais estompés, moins accentués que dans BF3 et dans BF4. Où là, il y avait un côté flashy, un côté effet d'écran qu'on appelle miroir, un effet désagréable. Là, ils l'ont estompé, c'est beaucoup plus agréable à regarder, à visualiser. Alors, comment vous dire ça? Il y a une chose qui m'a beaucoup plu, c'est que contrairement à ce putain de Call of, je dis bien putain parce que j'en ai énormément bavé, j'ai toujours été un oubli, c'est qu'il n'y a pas de gravats. On voit pas des gravats partout, sur le sol, joncher le sol. C'est un jeu linéaire, un peu comme, je me rappelle pas comment il s'appelle, celui-là, qui est assez dépouillé. C'est un jeu de fun, avec des couloirs de tir qui sont très très simplifiés. Ça rappelle vaguement, un peu vaguement, Crysis 2. Pas le 3, non, c'est trop champêtre. Le Crysis 2 en multijoueur, ça rappelle un tout petit peu. Alors c'est... C'est une équipe qui vient de chez Activision, hein, et qui s'est fait plaisir, j'imagine, hein, pour faire un bras d'honneur à Activision après le différend qu'ils ont eu. Donc, vous allez voir tout de suite les quelques minutes de gameplay. On arrive bientôt à la fin de la vignette. Le jeu vaut, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, 54,99€ chez Amazon. Et il est sur Xbox One, alors avec une grande fluidité, le personnage, on peut le manipuler, le faire tourner, c'est très rapide, c'est nickel, il n'y a pas de lag. Voilà, maintenant, à vous et à toute allure! Et bonjour à tous, ici Victor, 1860. Titanfall, que j'ai reçu ce matin, 14 mars, au matin. Alors, Milice, Victor Hugo. Je sais pas comment ça va marcher, les validations avec eux. Alors, donc... Alors, équipement... Putain, ça c'est... Là. Alors... C'est assez difficile à prendre en main comme jeu. Quand je vois Diablo X, quand il est allé à Londres, là, et Monsieur le V12, je me demande comment ils ont fait pour les prendre en main, ces logiciels. Ils n'ont pas dû s'amuser. Alors... La musique est pas mal. Ouais. Les couleurs sont assez orientales. Ouais, c'est vrai.
des ocres, des marrons, des rouges foncés. Alors toujours cet effet de brume hein, qu'ils avaient, qui est excessif dans BF3 et aussi dans BF4. Les effets de brume qu'ils avaient commencé à faire d'ailleurs dans Battlefield Bad Company 2. Mais qui était pour moi, en tout cas pour mes goûts, qui était admissible. C'est parti pour un combat d'attrition. Éliminez toutes les forces ennemies. Bon, je me retrouve où là. Double frag. Reçu, on sécurise. 2, 3. Dealer, votre titan sera disponible dans 2 minutes. Ok, d'accord, j'ai intérêt à rester en vie alors. Voilà. J'aimerais savoir où je suis. J'ai intérêt à faire gaffe, hein. Non. Faut pas se faire déglinguer, là. Alors. Je vais camper. Oh, pas encore disponible. Voilà. L'autre il se croit dans Call of. Voilà. Il y a un qui est arrivé là. Merde, il m'a eu. Oh putain. C'est bariolé hein, comme couleur, hein, vous avez vu? Alors, je sais pas comment on fait pour mettre un peu plus de lumière. Faudra que j'aille voir. Hein. C'est un peu trop foncé. Là, c'est de l'OpenGL. Hein. Alors est-ce que ça va râler, est-ce que ça va dire il y a des campeurs ça je. Yo ne le sais. Se flanquer. On attend, tranquille au bout. Les réacteurs. Votre attention, votre nouveau titan sera prêt dans 2 minutes. 2 minutes. On se fait vraiment défoncer. Il faut inverser la vapeur par tous les moyens. Ok, chef. On va y aller. Ton décor, pirouette cacahuète. Eh hey, du con, sur cet escalier là. On peut se planquer comme ça? Non, on peut pas. Du con, il n'arrive pas à sauter. Tant que ma chaîne ne me bouffe pas mes brioches. Hein. Alors. Nous sommes vaincus. Et
Évacuez vite pour minimiser les pertes. Mission avortée. Évacuation au point d'extraction le plus proche. On sent pas qu'on est touché. Alors. Non, c'est fini là. On peut plus participer. Non. On ne peut changer que de joueurs. Fini. Terminados. On ne peut plus rien faire. Yeno ne peut plus rien faire. Bon, et bien écoutez, je vous quitte, je vous upload la vidéo sur YouTube. Voilà, Victor Hugo 1860, il a son Titanfall. Ouais, c'est encore pas mal. Alors, attends, comment on fait pour faire apparaître le reste? C'est jouissif, hein, c'est très jouissif. Alors, très jouissif, bon, c'est assez déconcertant, la prise en main. Bon, il faut un entraînement. Il vous propose au départ l'entraînement. Il faudra le faire parce que là, vous voyez, même moi, j'ai du mal à... C'est pas évident, hein. Bon, allez, je vous l'upload. Et les prochaines vidéos seront plus jouissives. Allez, à toute allure !